Nous sommes intéressés aux lieux qui pouvaient rassembler l'univers du digital en région. Et il nous semblait que la promesse de ce lieu réunissait tous les atouts que nous cherchions. C'est-à-dire mixer start-up, grand compte, école, musée du digital. La cité numérique aussi, elle représente pour nous un symbole d'innovation digitale, tant elle a dû se réinventer tout comme nous. C'est aussi important que ce soit un bureau qui soit rattaché aux valeurs écologiques, je pense. On s'y sent bien à la fois dans nos locaux, puisqu'ils ont été designés par les salariés. Donc ils sont à notre image et à nos attentes. C'est proche de l'agglomération bordelaise dans laquelle je vis. C'est un lieu qui a une faible empreinte écologique. C'est aussi un lieu qui est représentatif pour moi du domaine dans lequel je travaille. Ça parle à l'extérieur. Nous, aujourd'hui, on est alternants, mais de savoir qu'on travaille dans la cité numérique, en plus avec notre intitulé, c'est quelque chose qui parle à l'extérieur. Alors, on s'y sent plutôt bien. Ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est quand même l'absence d'un lieu commun où on puisse partager avec d'autres alternants ou d'autres entreprises. Alors, le bureau idéal, c'est celui, selon moi, qui s'adapte à mes besoins professionnels. Quand même un lieu facile d'accès et adapté aux différents moyens de locomotion. On peut penser aux véhicules légers, transport ou encore vélo, trottinette. Il doit avoir une plus-value par rapport au télétravail à la maison et ça se présente surtout sous forme d'ergonomie sur le poste de travail. C'est pas un bureau physique, c'est un bureau logique qui s'adapte à mes besoins professionnels en fonction de mon agenda.